c'est pour changer de tenue dans ce putain de jeu. Ah bordel. Comment on fait déjà? C'est un cool son. Musique. Pareil. Le parleur de la manette, j'en m'en branle. Affichage. Luminosité. C'est toujours son dans ce putain de jeu. Voilà. Ah voilà, tenue. Chasseuse. Ah, ok. J'aime pas du tout. Quel sac, putain. Voilà. Comme ça. Comme ça, ça passe quand même. On va changer de chasseuse. T'en fous, ta Béatrice. Aviatrice. Ouais, ça passe. Y'a quoi d'autre? Guerriera. Tenue de guerriera de la jungle de Lara. Sympa. Bien. Ah, je pense que je vais prendre celle-là pour que je vois le reste. Alpiniste. Ouais, bro. Démolisseuse. Équipement de démolition pour Lara, comprenant une combinaison d'ingénieurs et une sacoche. Ah, tu connais la série Uchiyo? La série Uchiyo, etc.
Hein? Ça me dit quelque chose. Ça parle de quoi? Uchiyo, ouais, Uchiyo Tsura. Je sais plus. Je sais qu'elle a l'idée. Enfin, il va le même. Une idée, ça. Vaguement comme ça. Archer. La tenue d'archer de Lara comprend un uniforme de compétition avec des bottes montantes et des protections pour les bras. Ah ouais. Sympa cette tenue. On va se laisser en mode archer. Juste la tenue de base, autant qu'on l'avait déjà. Par défaut. Donc par défaut, elle a un petit truc. Pas mal cette tenue. J'ai dit dans celle-là, la guérilla. Ah, guérilla, elle pète quand même, bordel. Il y a un couteau, il y a une... Ah, mec, entre la guérilla et la recherche, je peux pas me décider. La recherche, elle est pas mal. Allez, on va prendre l'archer. Après, je prendrai la guérilla. Alors. La lumière fut. Oh, un poulet. Viens là le poulet. Je vais te faire griller. Viens là, viens là. Viens là, saloperie. On va faire un petit KFC là. Voilà. Ouais, j'ai allumé un feu, ça fait de l'XP. C'est bon ça. Dans les jeux, ils vont dire ce jeu il incite à la pyromanie. Ah ouais, j'aime foutre le feu partout, j'adore ça. Le feu là aussi. Tiens, ça fait un bug, j'ai perdu un épisode de Punch Man. Allez, je continue la série. Oh, oh, il est carré. Pas le moins de bordel là.
Ouais, elle pète sa mère en archer. J'aime bien. Allez, dis-toi, Norine, je pense que dans l'édition PS3, ça devait se payer ce genre de truc. Hein. Je suis sûr. C'est obligé. Mmh. Qu'est-ce que tu fous, toi? Tu l'adores cette musique, toi, en fait, hein? Ça faisait partie de Yamatai. Allez, fais ton plaisir, mais là, hein. Bon, ça je peux pas. Oh! Après 2 semaines d'attente, j'ai enfin obtenu audience. Ah, je m'en fous de ton histoire, allez, allez, va-t'en. Ta gueule, le loup. Putain. Attends, attends, dès que je le vois, je le DPS. Oh putain, oh. Putain, on aurait été dans une charte, je serais mort là. Eh hey mec, je te fais une petite chute, laisse tomber. Ouais. Il y a un truc que je comprends. En fait, il faut que je maintienne. J'ai encore en tête cette chanson, toi. Hein? Quoi? Laquelle? Celle-là, là. Cette... quoi ça s'appelle? L'original, je sais plus le nom. La version, là. C'est quoi, c'est Barbie Girl, hein? En tout dans le genre. Ah! C'est pas Barbie Girl, là, l'original? Il me semble, hein? Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, j'ai écouté quand j'étais gamin. Quand même, pour le faire, faut faire un remix sur ça. Ah putain, faut le faire, hein, parce que le machin... déjà de base, c'était n'importe quoi, la musique. Donc en plus... Ah, j'avoue. Et le mec, il s'est fait plaisir, en connais plus. Connais Joule. Vas-y. Fais de... Connais Joule. J'ai trouvé des œufs. C'est un rappeur de Marseille, lui. C'est un rappeur de Marseille, lui. Ah bon? Ouais. Ouais. C'est un gros. Un gros rappeur. Je t'en mets, mec. En même pas un an, j'ai disque d'or. Sérieux? Eh ben, chapeau. Faut dire aussi quand tu fais de la qualité, hein, un truc qui plaît, un truc qui bouge, bah tu t'es vite reconnu. Mais bon, t'as bien vu qu'est-ce que ça faisait avec Gangnam Style là. T'as vu le mec, il a fait un seul truc, ouais, plus rien.
Ouais, il en a fait un deuxième, mais bon. Je t'écoute. Je vais écouter. T'as un nouveau sans fond, j'écoute. Pas de truc ici, c'est ça. Même pas une petite merde là. Ah bah voilà. Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus? Ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul. Ouais, ça passe. Ouais, bien sûr que ça passe. Ouais, une musique normale, hein, c'est pas vrai. Il y a encore la meuf, je te jure, elle tient sa torche, mais elle la lâche pas, même quand elle saute et tout. Elle est accrochée à cette torche. C'est ça, torche. Eh ben dis donc, j'en ramasse de la merde là. Attends, je m'attends, je crois. Ôtez les conneries. Attends, on prend les enflammes, non. L'arc. Voilà. Je peux pas l'enflammer? Non? Bon. Non, je disais si je pouvais enflammer les flèches, j'ai pas l'impression pour l'instant. Putain, j'ai jamais dû à dragonnette, mais je sais pas, c'est trop fou. Il y a trop de trucs à faire. Ah ouais? Bah, c'est un RPG, non? Ouais. Ouais, mais c'est trop abusé. Bah, je sais pas. Il y a Skyrim. Tu l'as fait, non, Skyrim? C'est pas genre un jeu où t'as. Genre vraiment des objectifs. T'as beaucoup de choix, tu vois, genre, en fait. Tu peux pas. En ouais, fait, voilà. C'est comment toi tu joues. Il y a trop de comment trucs. Tu veux faire ton aventure. Ouais, c'est, en fait, c'est toi. C'est toi, quoi. T'as ton perso et tu fais ce que tu veux. C'est pas vraiment précis, tu vois. Genre, tu prends une quête là. Après tu vas là-bas, après tu reprends la ouais, quête, tu vas là-bas. Tu peux faire un truc qui est un peu c'est plus. C'est pas suivi. Qui a un peu plus de choix, par exemple. C'est aléatoire. Toi, je te balance un petit infamous, peut-être. Ça va te plaire, quoi. Ça s'invente pas. On va noyer le carré.
là, j'ai pas envie d'occuper ce sac directement là. On va balader. Être vaillant, ça s'invente pas. Franchement, je préfère le supprimer en étant un petit peu positif dessus que me dégoûter et ne plus le toucher pour plus redonner une chance. Par exemple. Franchement, je préfère le. Ouais. Vas-y, je vais le supprimer. Ça me libère 60 Go, mais c'est dommage. Quoi. Franchement, j'étais content au début, mais toi, c'était facile. Genre après t'as des quêtes là-bas, genre tu peux même pas te TP, en plus ouais, je sais pas, c'est chelou mec, franchement je suis dégoûté. Puis il est bien, franchement il est bien. Problème. Encore ce serait suivi, ça va, tu vois, genre t'as que des quêtes principales et tu les vois les secondaires, tu vois, les quêtes secondaires tu les fais. Non, genre t'arrives dans un territoire, t'as déjà des quêtes secondaires sans les accepter. Attends. Voilà, t'as enculé là. Les chefs, voilà quoi, si je suis sur ce côté. Ça me putain de fou. Tu es rapide. Par contre, faut que je finisse les 4 là, ce qui est. Faut que je finisse les 4 trucs de Ivan là. Ouais, c'est... là, je suis deg parce que j'ai fumé une disciple. Voilà. Je peux même pas monter mes trucs, mes jeux. Fais le gore tout le temps, hein. Ah, ma foi, ouais, je dois faire 100 putain de trucs, c'est normal, sinon je l'aurais fait. Ouais, je sais.
ça qui m'énerve, sa mère. Comme par hasard. Je m'en fous, lui. Ah, je te jure, moi je m'en fous. Je vais laisser mon camp, je vais dire qu'il va me faire chier. On va laisser. C'est tout ce que je lui ai fait. Ah, parce que cette fois, c'est énorme. Warframe. Donc, même Warframe, quoi. Encore Warframe, je sais pas trop parce qu'il y a plein de trucs à faire dessus. Déjà que Smite c'est beaucoup, juste comme par hasard, il met son compte sur un événement quoi. Non, pas encore lui faire des jours de a... Je te rappelle qu'il y en a un deuxième là bientôt qui s'en vient sur Warframe. Ouais, je... tu vois, il y a deuxième encore. Laisse tomber quoi. Ah putain, tu bosses plus que ça d'Aaron quoi là. Moi je dois mettre plus de deux cons quoi. Déjà le mien c'est trop, alors le sien, oh là là. Ouais, t'as dit que t'allais le faire, maintenant tu le fais quoi. La prochaine fois tu diras non quoi. T'as commencé, maintenant tu finis. T'as la vendre des choses, hein. Ah, mais... ouais, je sais, mais je dis pas que je vais m'arrêter. Hein. Pas les... ah, non. Mais bon, le deuxième, moi, je sais pas. Moi aussi, hein. Moi que le deuxième il est chaud. On a beau gueuler, on continue quand même, hein, mais on s'arrête pas de gueuler. C'est bon, je fais. Je fais une dynamique, mais c'est bon pour le deuxième. Voilà. Après le deuxième, c'est un thème musical, donc je suis un peu obligé. Donc voilà. Après pour le troisième, l'emblème, je sais pas. Hein, si je vois que c'est chaud, je me fais ce qu'on a fait. Thème musical. Bon, c'est. Ouais, on va gagner un thème musical. Sérieux? Ouais, pour le dans le jeu ou je sais même pas. Pas c'est dans le jeu. Un thème musical. Ouh, attends. Alors là, on gagnait alors un avatar. Un emblème. Un avatar dynamique, un thème musical. Ouais. Après, on a un emblème. Quoi, un autre emblème. Mais pourquoi il nous file pas un encadrement là? J'aimerais bien putain un encadrement, pas à 400. C'est fou, non? Peut-être pas aussi bien, mais pour changer, parce que merde. Ils ont pas mis 400 alors, mec. Oh, franchement, si je vois qu'ils le donnent après, franchement, je les appelle, je dis rendez-moi mes 400, je m'en bats les couilles. Vas-y, t'es pour en boire les couilles, frère. Deux ans, attends, je paye 4 ans pour que vous, après à la fin, vous cassez Lucky, mais à la fin, vous l'aurez sans payer. Attends, c'est pigeon ou quoi? Mec, tu sais qu'ils sont capables. Non, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Attends. Et les mecs, c'est pas Activision ni Electronic Arts. Les mecs, c'est des. Non, ils sont en école. Tu sais que c'est leur premier free to play quand même, Smite. Hein. Ah mais je sais pas, mais là, c'est là, leur ça premier sonné, jeu là, hein. Leur jeu là Star c'est le truc qu'il ouais, a payé Ivan. Voyez ouais, c'est un pas. Petit succès. Mais c'est un petit succès pourquoi? Parce qu'il y a une tenue de Smite dessus. Sinon le jeu il est chiant. Quoi? Tu vois. Là c'est mission là. Un putain de bruit moi tout à l'heure. Il y a machin là-haut. C'est pas moyen, il y a machin là-haut. Ouais, je suis parti 2 minutes, tous morts quoi, Draco. Ah bordel, t'as pas de cul toi, t'as pas de cul. Ouais, je tombe toujours avec les pires gens. Là. Bah des fois tu tombes sur des bons randoms. Hein. Des fois putain les mecs. C'est pas la même gamer, pas la même gamer. Ça c'est des trous du cul ça, ça ils jouent pour le plaisir, ils savent pas. Ouais, ils jouent pour le plaisir. Toi tu joues pas pour le plaisir, tu joues pour la baston là. J'ai un objectif moi, attends, quand tu joues t'as des objectifs. Bah oui. Je joue pas pour moi aussi, si je joue pour le plaisir, je m'en bats les couilles. Hein. On me bat les couilles, je vais, frère. Allez, je lance. Je vais sur Smite, allez, je lance une partie normale et je fais le bordel. Je me fie d'aller. Moi j'ai un objectif. Voilà. Tu peux demander à Jussan. Comme Ivan là, quoi, il dit ah, je joue pour le plaisir, après voilà. Ouais, mais moi j'aime bien jouer avec un objectif. Bah ouais, je peux pas jouer pour rien, moi ça me pète les couilles. Ah c'est pour aider, voilà, par exemple t'as vu pour les veines. Comme ça, t'as vu pour les veines. Tu aides.
Sans souci, hein, pote, y a pas de souci. La prochaine fois, t'aider. Ouais, mais quand même, à un moment, ça saoule, hein. À un moment, ah, ça tu comprends. C'est bien d'aider, mais ça casse les couilles, hein. Franchement, moi, je l'ai dit. C'était quoi l'event de Warframe, là, quoi. On l'a lâché, on avait ras-le-bol. Il me semble que c'était carrément l'event, on avait ras-le-bol. Non, mais c'est bon, moi, de toute façon, là, maintenant, là, je suis. Parce que là, je me casse jusqu'à 2h, hein, jusqu'à 2h du matin. Hein. Mmh. Non, 1h, 1h du matin. Hein. Depuis l'après-midi, mais j'ai commencé à 2h de l'après-midi, je sais plus. Toute l'après-midi, je l'ai fumé sur cet event, ce putain d'event. Ah, mais de toute façon, moi, il me réinvite ou quoi, mais j'y vais, je disais le foot. Pourquoi il t'a invité? Pour pire, ça me dit, ouais, si tu veux revenir dans le clan ou quoi. Je insulte sa mère la pute. Vas-y. Pute. Non, l'insulte pas. Sa mère. Je sais pourquoi. Ça serait con que tu partes encore pour rien. Mais ça va, mais insultez, mais ils ont pas de preuves, à croire enregistrement, en direct, c'est enregistré. Tout le monde bat les couilles. Bon, ça serait con de partir en mode pour rien. Oh non, moi je peux te dire qu'on l'insulte, j'ai insulté. Parce que je n'insultais pas moi. Ouh, je peux te dire. Tu peux te demander non, à Star. Non, mais je sais, mais dès que je te parle, ouais. dès que tu joues et tu. Je parle pas comme des gens, je parle dès que tu joues. Ça suit toujours. Tu balances toujours des mots. Ben voilà, c'est comme si eux ils t'enregistraient et à la fin ils te bannissent parce que t'as trop dit de gros mots. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas acheté la Xbox, t'imagines, sur NBA, tu dis une grossièreté, le mec il te met une. Ouais, il te fout dehors, je vais te faire me foutre, mon mec, gars. Par chat, moi je par continue. Chat, je peux pas détruire par message. Par message, par chat. Par non, mais bah vas-y. Non, mais t'as le droit de dire ta pensée de penser, clair et net. T'as ta pensée de penser. Juste par vocal, pour pas l'écrire. Ça, c'est clair et net. Oui, mais toujours par vocal. Alors, je t'ai dit de toute façon, par moi, j'ai arrêté de faire les trucs par écrit. Voilà, c'est par vocal. Le mec qui me fait chier, on va se faire foutre directement. J'attends pas la cinglingue pour lui dire ma façon de penser, ça, tu le sais. Hein. Non, c'est bon, de toute façon je parle plus. Ah mais le pire c'est qu'ils ont pas viré du début. Ah ouais. Quoi? C'est quoi ce délire? Je lui dis quand même. Je lui dis c'est de pacter quoi. Voilà. Ah un peu je pas bon. Non c'est cassé. C'est quoi, pas de. Moi, je te dis, c'est pas de sitôt que je rejoins un clan. Putain, qu'elle va se connecter, on va les tous. Je comment. Là, tu laisses déjà, frère. Moi, le mec, en plus, c'est le mec, il a fait quoi? Il a fait 8 parties à la fin. Hein. Il est venu pour 6 parties ou 8. Hein. Après, il fait ouais, genre, ouais, je suis resté et tout. Il a fait comme trop occupé, le croit. T'as tout compris. Tu veux que je te dise quoi? Ça doit être. Je vais me faire 40 ans, elle. Hein? Je sais pas que je dois dire quoi moi. Moi aussi je l'ai fait hein, ce putain d'événement. Toi mais ça va, mais tu restes jusqu'à 1h du matin. Tu t'es barré, t'es d'accord? Ah non, je pense que j'ai dormi 4 heures à cause de l'événement, mon gars, laisse tomber. Toi t'as dormi encore ouais, moins mais que ça moi. Va, mais... Toi t'as dormi encore moins ouais, que mais... moi. Ouais mais c'est pas. Oui ben voilà, mais c'est encore pire, mais pour te dire que tu as changé de jeu, moi j'ai pas changé de jeu. Non je sais. Et tu t'es fait chier pourquoi? Pour que dalle. Tu crois que moi ça m'a pas énervé? Après j'ai l'invité, c'est pas ça m'a passé. Je dirais vraiment plus léger. Je pense que moi aussi je vais dire ma façon de penser, parce que là, Je veux dire comment après tu... Oh, ah bah attends, vas-y, attends, là je suis en train de passer un truc, frère. Cauchemar, il est dans le clan. Je trouve du cul, qu'est-ce qu'il fait dans le clan? Le mec il ne sait pas combien, c'est une grosse geek. Je te jure, il y a des geeks dans le clan, c'est ça que je comprends pas. Et... Il y a des geeks dedans, quoi ça sert? De garder des gays qui ne tournent pas à l'event, je suis arrivé 6ème à l'event après on va dire ouais je peux pas le virer pour te faire entrer toi, c'est ça que je vais dire hein. Je pas rentrer, parce que t'as bien vu comment je me suis retenu hein quand elle nous a littéralement jarté du clan. Ouais mais tu sais quand elle nous parlait tu me sautais ouais non mais tu vois sûrement que ouais mais tu sentais quand même comme j'étais bien, j'étais calme mais pas vraiment calme. Ouais d'accord, vous faites un nouveau clan. Ça veut dire espèce de salope hein. Parce que moi là ouais, c'est mais, bon, mais toi t'as dit quand j'étais là tu parles.
Ouais, quand t'étais là, et puis qu'elle était là. Ouais, mais après, quand t'étais là, j'étais calme. J'étais calme. Je verrai plus tard. Plus tard, ouais. Hein, mais après, quand je t'ai dit, on me prend pour un con là, c'est en train de nous jarter. Ouais, bah oui. Hein? C'est moi qui pensais ça au début. Mais non, mais au début je pensais pas trop ça. Après c'est moi qui t'a. Moi je t'ai dit. Voilà. Ils veulent nous jarter en fait, les enfants. Ouais, je suis parti de suite en fait. Ouais. Putain, j'aurais dû refaire un clan ce pays là. Non, moi je suis plus clan, moi ça aurait. C'est pour ça que je te dis, les clans et toutes ces conneries là. Plus rien à foutre. Ouais, mais. Là je te dis clairement, j'en ai plus rien à foutre. Je sais pas, c'est tout. Je sais pas. C'est pas de sitôt que je refais un clan, non. Mais... Non, j'arrête ces histoires de clan, machin. Je préfère être. On va faire comme dans No Game No Life. On va s'appeler les blancs et on s'en branle, vas-y. Bon, ça fait un peu raciste quand même, les blancs. Ouais, c'est vrai. Au pire, bon, on fait comme j'avais dit. La Mad Family. J'aime bien la Mad Family. Ça rien à voir. T'en penses quoi? Ouais. Comme le couple qu'on a fait là. Ça passe, non? Comme non. On va faire un plan à la Mad Family. Mad Family. Juste récupérer le sac. C'est tout. Je sais pas, parce que faut trouver des gens. Mais... C'est pas tout le monde qui va rejoindre. Mais... Oh, c'est clair, merde. Mais en tout cas, selon les 2-3. Je sens mettre des formes. Ils allaient se faire foutre. Bon, les loups. Pas de conneries. GG. Stylé quand même en archer, hein. Franchement. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Mon cul, que t'as pas de chien là qui va me sauter dessus. Mon cul. Alors ? La baisse à la boucle. T'en fous moi. Crève saloperie de loup de merde. T'en fous très bien. Oh, j'ai chaud. C'est les marrons là? Non, il y a des blancs. Les blancs? Oui. Ah ouais. Tiens. Oh, cute, pretty cheese, ouais. Putain de loup, ouais. J'ai plein de mi-marrons là. Des graines et tout, ça me saoule. Eh ben, dis donc. Instant survie, oui, oui, je sais. Géronimo! Non, mais je t'assure, j'avais vraiment. Comme ils disent au Québec, la mèche courte. On va dire. J'avais goût de gueuler, de rager, de m'énerver. Tu vois, un petit truc et puis j'allais m'énerver. Mais je me suis dit, non. Je vais être calme, tranquille, je me calme. Ah, mais j'avais goût de la traiter de tous les noms. Oh putain, je me suis retenu. Mec, c'est hallucinant quand je me suis retenu. Là, je me suis dit, mais bordel. Ah, mais dis-lui ta façon de penser, là. Non, mais j'ai dit, non, il y a gamer. Tu sais, il y avait des gens qui avaient rien à voir dans un convo. Ça en fait plus la merde qu'autre chose, tu vois. Mmh. Donc, j'aurais préféré que ce soit... Tu sais, si on était que les trois, là, j'aurais dit ma façon de penser. Mais là, t'avais trop de monde. T'avais du monde qui, en fait, n'avait rien à voir dans la conversation avec Africa et nous, tu vois. Donc ça aurait foutu encore plus la merde. Moi, je veux que ça foute la merde, mais qu'on arrange, tu vois. Mais nos oignons à nous, tu vois, chacun sa merde. Moi, j'aime pas laver mon linge seul avec des gens que je connais. Et là, c'était limite, hein. Limite, j'allais envoyer se faire foutre. Limite. Limite, là, je te jure, c'était limite.
Ah mais je me suis retenu, t'as bien vu. Ah ils nous prennent pour des cours à la fin, hein, quand elle s'est barrée. Même Gamer il a dit ah vous faites jarter gentiment. Je me suis. Je me suis retenu là. Hein. Ah mais je me suis retenu, laisse tomber. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? Voilà, j'ai mon double épée 30. J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Eh, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Comment je pourrais monter les pouces? Le problème avec les RPG, comme le tien, c'est qu'il est long. Hein? C'est lent un RPG. De base, c'est jamais court. Un RPG qui est court, c'est mais pas un bon je RPG. Je suis pas en état de grimper. Ouais, mais c'est pas que son pied, non. En fait, faut que t'accroches. Si t'accroches pas au RPG, tu vas t'en dégoûter plus si tu continues. Croft. Mais des fois, tu peux tomber sur des trucs de dingue. Mais je suis pas ce genre de Croft. Non, mais ça va. Moi, encore. C'est pas que j'aime pas les mémoires que j'ai. Pour ça, on ne pouvait même pas. Même Dragon Age, il est bien. Mais tu ne le sais pas encore. Bah, pas mon premier MOBA, c'est Smite quand même. Mon premier vrai MOBA. Donc tu vois. Moi aussi. J'espère pour nous que tu arrives. Bon, nous on a fait que de l'arène, c'est du bourre-tout quoi. Tu vois, tu te fais pas chier. Mais. Non, mon premier vrai, comme tu dis, et que j'ai payé dedans aussi. Après, c'est. Moi aussi j'ai mis de la thune dans Warframe. Et encore, hein, la première fois où j'ai payé c'était là. Et rappelle-toi la première fois que j'ai payé là... c'était après une année et demie sur Warframe. J'ai rentabilisé le truc, bordel. Hein. J'en avais marre de farmer pour le casque d'Ivara, j'en avais ras le cul. Ouais. J'ai besoin de 300 d'IP là. Il faut 300 d'IP. Je prends le skin de Léron et le skin de. Allez, je vais changer de skin là. Là, faut que je me place le skin de Banty. Moi j'ai pas Banty là. Ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis tout. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. En mode guérilla. Pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il? On s'en branle de qui ils vénèrent, de toute façon on va les désenfoncer. Que cherche-t-il? On s'en fout. On va les défoncer, on les dérouille. On les désosse. On a la foutre de qu'est-ce qu'ils croient et qu'est-ce qu'ils veulent. On les bute, point barre. Putain. En mode guérilla. Ah putain. Eh, elle pète en guérilla, n'empêche. J'aime bien. Allez, vas-y, go. Attends, il faut que j'améliore mes compétences quand j'y pense. Vas-y. Alors, survivant. Chasseur, vas-y, on va se prendre un petit truc dans le chasseur. De munitions. Éliminez vos esprits. Hein, fouille. Oh, chasseur, ouais, un peu de chasseur là. Capacité, un bon usage de vos sacs et de vos poches vous permet de transporter plus de munitions. Ok. On va se la jouer chasseur. En plus, Draco, tu farmes tes pas donc. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
pour récupérer des munitions supplémentaires. Oh, il est avec Christophe en plus. Attends, vas-y, je reviens. Qui? Tu me rejoins ou pas? Oxygen, pote. Il est avec Christophe. Enfin, c'est pas avec lui, c'est juste. Tu veux venir? Ah, ça va m'énerver. Non, vas-y. Reviens après. Reviens après, ça vaut ben, mieux. Moi, alors. Ça vaut mieux. Ben, hein? Ben, reviens avec moi là, dès que j'ai... Ok, vas-y. Tu bon, dès que t'as fini, tu m'envoies une invite alors. Tu refais une partie. Elle est privée cette fois. Ah bah ok. Ok. Ouais t'inquiète. Bah, elle est privée celle-là non? Je sais même. Ouais elle est privée de toute façon donc vas-y je t'inviterai moi. Tu me vois juste. Voilà ouais c'est bon. Allez à tout à l'heure. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Ouais, espérant survie. Vous gagnez des récompenses supplémentaires en trouvant des caches de nourriture. Fouiller les quatre coupés de monteurs supplémentaires, percepteur macabre, maintenant. T'as pas envie de ça, moi. Plein de double 2. Qu'est-ce que je pourrais prendre? La chasse ça peut être pas mal. Recyclage, j'aime bien ça. Trouver les poches cachées des gars. Ouais. Je dois tout dire là. Hein. Une bonne stabilité pour le tir, ça peut toujours être ça. Parfait. Bon allez. Alors, putain, il y en a des parois. Je peux y arriver. Eh oui, tu peux y arriver. Allez. Voilà. Et je m'accroche. Explorer les tombes pour découvrir les récompenses secrètes. Alors
Charmant. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bordel? C'est quand même bien foutu ses cheveux. Après. Que je le remplis de quelque chose ce truc. Non. Je sais pas que je peux foutre dedans. Que dalle, ça. Il me fout du feu. Du feu. Oh là là là. Mais quelle buse. Mais quelle buse. Toi je te crame. Toi pareil. Et toi aussi. Merci. Je te pousse.
Tu t'accroches. Et on en parle plus. Voilà. Ça a peut-être été construit en l'honneur de ses prêtresses. Incroyable. Incroyable. Mais vrai. On fait une grosse boîte. Qu'est-ce que c'est? Et on voit même pas qu'est-ce qu'on ramasse. Merci. Maintenir. Atteignez le sommet de la cascade, apportez les métaros. Bon, ouais, c'est fait. Ok. Là on va améliorer ce bordel. Alors pour stabiliser ça, ça se comprend, faut plus de stabilité. Fouiller attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Sur les cadavres des animaux, ça peut toujours être utile. Bah ouais, ça c'est bien ça. Allez. Allez. Oh, je sais qu'on pourrait se taper dans l'autre feu, mais bon, c'est un peu con. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Que dalle. Ça passe bien en guérilla. Mais oui, j'ai compris qu'il y a ça. Allez. Et hop. Pas de refaire. Pas vrai?
quel fils de putain ce Mathias. Flèche enflammée, bordel. Oh non. Tue-toi. Hop là. Tue-toi. Allez. I love it. Eh oui, gueule. Quoi, ce truc. J'ai parlé à plusieurs amis. Oh, on s'en branle. Oh, le mec, quoi, je vais balancer comme une merde. T'as vu comme un cul. Oh. Oh, t'en as encore un qui est vivant là. Et hop là. Dans ta face de gland. Eh les bouffons, vous avez pas de feu. Ah bah c'est parfait, il y a du feu là-bas. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Il a pas un petit truc là? Un petit indice? Que dalle? Sérieux? Attends. Allez. Un petit indice. Non? Que dalle? Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des os d'animaux. Mais oui, t'inquiète. Je peux toujours courir ce truc d'animaux là. Alors. Ah. Ah, ça peut plaisir. Je ramasse la merde. Ah.
crois que je t'ai pas vu toi. Bon, la baraque j'avais pas bien fini. C'est en haut de trucs donc c'est... Voilà une charte. Sauf que là c'est beaucoup plus réaliste. J'ai un piolet. Lara, tu es là? Hey Yes, où es-tu? Tu as trouvé Sam? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SMS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Mais oui. Faut pas s'inquiéter. Je vous en prie, ne faites pas ça. De la pute, je vais te cramer moi, tu vas voir, comme un putain de poulet. Oh. Un tiers d'eau, fils de putain. D'où tu vas me tuer, toi? Finishé. Yoreda, tranquille. Comme tu le vois. Non, mais vous allez vous calmer, hein. Ne faites pas ça! Hop! C'est pas vrai! Hop! 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 Et à moi! Ah, bordel de merde! Chaque personne, toi, dégage! Hop! D'où? Ah non, non, tu prends que dalle, toi. Oh, mais oh. Oh, mais je te jure, les mecs, quoi. Ouais, je sais, il faut du feu. Le feu ça brûle, l'eau ça mouille, on sait. Allez. Bon.
J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, pareil. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Oh, elle doit retenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. Oh, comme il t'a remis à ta place. Oh, comme elle t'a remis à ta place, mon gars, j'aurais pas aimé ça. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. Ah ouais. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Eh bah putain. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Il va revenir? J'espère bien. Je vais le chercher. Fait ça diva ou quoi? Et je peux vous dire, l'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais aller. Que ce n'est qu'un tout poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. T'as vu ? Écoute. Allez, la journaliste mignonne, là. D'accord ? Hein, la minette, elle a raison. On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamatai ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. Bah ouais, j'appuie L1, j'ai beaucoup c'est d'instinct. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Eh ouais. Au risque de se tromper. Ah bah, il le pétait le L1, hein, force. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Très bien, ça. Bon, tu crois que j'ai pas vu qu'il y avait un truc derrière ? Ah, mais... Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Ouais, ouais, mais il y a une connerie encore. Sur les bords, non? Je suis sûr qu'il y a un truc. Non, que dalle. Nada.
C'est une belle pièce en tout cas. Bon. C'est bon, tu racontes pas ta vie cette fois? Merci. Alors... Compensation du recul permet d'améliorer la précision et d'augmenter les dégâts. Un plus gros chargeur... Frein de bouche. Rafale permet un mode de tir alternatif en rafale de 3 coups. Non. Une bonne précision. Jamais non. Libère les balles plus efficacement, ce qui permet d'augmenter les dégâts. Ah bah voilà. Oh, c'est bon. Voilà. Venez là mes proies. C'est tout. What? Son machin il le tourne jamais. On va le péter ou pas? Là. Pas de buter toi.
Voilà. C'est réglé. Oh, foutaise là. Comment on se met à l'abri, bordel? Je sais même plus comment on se met à l'abri. Bon. Merci le matos. Plein. Ouais, peut-être que je vais m'acheter l'amélioration là. Il n'y a plus personne. Ah parfait. Parfait, parfait, parfait. On va prendre du feu. Qu'est-ce qu'on a trouvé là ? Une pièce de l'ère Edo, frappée à la fin du XVIIe siècle. Ouais. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. Oh, il y a un truc, je suis sûr. Non ? Rien du tout. Comme l'autre pièce là. Bon. Pas chercher au midi à 14h non plus. Allez, on va prendre. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Hé, hey, là, viens.
Tu vas manger où ton truc? Allez. Allez, hop là. Voilà. Modification d'armes, améliorer vos armes dans le camp. Ouais. Vive moi. On va prendre un peu de feu. Allez. Hop là. Et on est reparti. Je me pète les yeux. Merci. Voilà. D'accord. Bon, allez. C'est parti. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Je vais aller grailler un truc et je reviens. Ciao. Si ça vous a plu, follow. Si ça vous a pas plu, moi, c'est la vie. Allez, c'était Matt. Ciao, plus la besaille.